8h09, le téléphone. Aucun numéro ne lui résiste. Aucune vengeance ne lui fait peur. Aucune voix ne lui est inconnue. Faites place au Télévengeur sur Énergie. On les écoute dans le bus ce matin, la petite Léonie qui attend le Télévengeur. Ne t'inquiète pas. Vous savez, on va également recevoir Inna Modja. Tu sais, c'est celle qui avait fait la première partie d'Emmanuel Moir à l'Alhambra. Ouais. Voilà, donc je le dis en toute amitié. Vous allez voir, c'est une superbe chanteuse. Elle arrive dans quelques minutes. Ce matin, Géronimo a vengé Marc. Marc de ses voisins. Totalement relou, avec la voix d'un copain à moi, un copain de TF1 qui s'appelle Christophe de Chavannes. Ah oui, on aime bien. Christophe de Chavannes qui était dans Une famille en or, qui a repris effectivement dans s'il vous plaît, madame, monsieur, les couches, s'il vous plaît, madame, magnifique, magnifique, l'éditorien, voilà. C'est plutôt de la rue, là, j'ai fait, non? Oui, un mélange de deux. Voilà. Et on a pris la voix de Christophe, vous allez voir, c'est toujours après. Mais... Bon, j'en sais Christophe de Chavannes, l'éditorien, non? Je me laisse. Allô, oui. Mathieu? Ah non, Mathieu. C'est pas Mathieu, non. Moi, je m'appelle Raymond. Bien. Alors, c'est parti pour une grosse demi-heure de détente de bonnet. Eh ben, pourquoi vous me téléphonez? Vous allez avoir 25 secondes oui. pour répondre aux mêmes questions que Audrey. Oui. Citez un ingrédient rouge que l'on trouve dans une pizza. Dans une pizza? Réponse. Du fromage? Non. Que peut-on mettre en boîte? Des CD? Non. Que peut-on découvrir dans sa voiture lors d'un grand nettoyage? Un disque laser? Non. Écoutez, on va s'arrêter là. Vous pouvez passer sur une question. Allô? Est-ce que vous nous raccrochez au nez parce que c'est nous ou parce que vous pensez que c'est une blague? Je ne comprends pas ce que, où vous voulez en venir. Je vais vous poser une devinette. Oui. Monsieur et madame, jamais cette jupe. On tue une fille, c'est parti. Je mets jupe. Jamais cette jupe. Je sais pas. Irène? Elmira. Ah bon, d'accord. Monsieur et madame. Oui. Vester Stallone. Oui. Ont une fille. Ouais, c'est un peu dur comme ça de but en blanc. Elle s'appelle Cécile. Cécile Vester Stallone. Cécile Vester Stallone. Alors, allez-y, Simone. Non, mais. Allô, oui. Attention, on se concentre. Mais d'abord, alors, vous appelez comment? C'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Christophe de Chavannes. Oui, je vous écoute. Ah bon? Oui. Ah oui. Mathieu. Mais je vous dis que je m'appelle pas Mathieu. Votre prénom. Je vous l'ai dit, vous vous rappelez pas. C'est bizarre que vous êtes de Chavannes et puis que vous vous rappelez pas, alors que vous vous rappelez pourtant à chaque fois à la télévision de ce qu'on vous dit. Voilà. Bah, comment vous avez trouvé mon numéro? Aux Seychelles. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait aux Seychelles, mon numéro? Vous allez avoir 20 secondes pour répondre à 5 questions. Je souhaite plus répondre à vos questions. Là. Je vous remercie beaucoup, monsieur. J'ai senti que ça dégénérait un poil, là. Christophe de Chavannes, évidemment, qui venge notre camarade Marc de ses voisins avec la voix de Christophe. C'est Géronimo qui fait ça toujours et il le fait avec brio et talent. 8h12. Pour être vengé, envoyez un mail à Géronimo@energie.com.